Allez, salut à tous, les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SimCity. Oh yeah! SimCity qui vient d'être mise à jour. D'ailleurs, en parlant de ça, le mode offline est enfin disponible. Wouhou! Alors, après un an, voilà quoi, hein, pas de commentaires, je veux dire, vous m'avez compris, après un an ils sortent le mode offline. C'est un petit peu culotté, on va dire. Alors, voyez que là, par exemple, maintenant, quand je mets le menu pause, dans serveur Europe de l'Ouest 6, en dessous, il y a mode multijoueur. Et depuis, lorsque vous êtes sur le menu principal, enfin depuis la mise à jour que je viens de faire, vous avez la possibilité tout simplement de switcher entre solo et multijoueur. Il y a deux onglets, et vous en choisissez un des deux selon si vous avez envie de jouer en multi ou en solo. Donc ça c'est bon, c'est pratique, vraiment. Voilà, maintenant c'est bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir une connexion pour pouvoir jouer, vous pouvez être tout seul. Ici qu'est-ce qui se passe? Il y a des messages, les consommateurs, ouais bon, ok, c'est que des notifications, on s'en fout. Donc on va reprendre Bois de Geronimo, dans la deuxième région, encore je vais rester un petit peu. On va peut-être pas, non c'est pas ça que je voulais faire. On va peut-être pas, commencer par toucher au DLC pour l'instant. Déjà je vais essayer de me développer un petit peu, alors il y a un de vous dans les commentaires qui m'a proposé un défi. Alors le défi c'est de ne construire que des routes courbes. C'est à dire aucune ligne droite, rien de rectiligne, que des courbes. Bon, là on va dire que celle-là je vais pas la détruire. La plupart là ce sont des courbes, vous voyez elles sont pas tout à fait droites. On va dire elles sont pas parallèles avec les limites, on va dire ça comme ça. Vous voyez par exemple celle là non plus je vais pas la séparer puisque, enfin l'enlever, je veux dire toutes les nouvelles routes que je vais construire, il faudra pas qu'il y en ait droites. Il faudra pas qu'il y ait des routes droites en gros. Toutes les routes que je vais construire prochainement seront rectilignes. Donc depuis le temps que je n'ai pas joué, les poteaux se sont développés. Regardez là-bas, je crois, je sais pas si ça a vraiment changé, mais en tout cas, générateur pétrole. Bon, il y a trop de trucs. Ils ont construit des universités, des ministères, des trucs à la. Oh là là, ils ont déjà des centrales nucléaires et tout le bordel. Attendez, c'est où? C'était pas ici. Il y a des buildings de fou là. Ouais, non, mais c'est la folie. Ils ont avancé, mais ils ont joué comme des fous. Alors. Du coup, oui, non, mais toi tu veux de la zone industrielle, mais vas-y, parce que tu as de la zone industrielle, il te suffit de te bouger le cul et d'aller dans la région, ok? Bon, ça suffit au bout d'un moment. Oh, oui, il me saoule avec le docteur vu. Non, merci, je le ferai pas dans cette ville-là pour l'instant. Déjà, j'ai plein de problèmes à régler, s'il vous plaît, alors laissez-moi le temps de réagir, c'est 2 secondes. Alors, déjà, j'ai des problèmes en eau usée, c'est vrai, j'ai pas évacué la merde. Il faut un tuyau d'écoulement. Le truc, c'est que je pense que je vais pas besoin. J'ai pas besoin d'en construire un maintenant et en gros d'occasionner des dépenses inutiles. Je vais en acheter dans la région, vous voyez, on est déjà pas mal dans la deuxième région. Je pense que quelqu'un peut quand même m'aider à traiter mes eaux usées, sachant que voilà, j'en ai pas énormément, ça va pas leur peser beaucoup. Pareil pour les services de santé, je vais essayer d'économiser. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est on va dans le quart de la région. Et on chope eau usée, acheter. Vous voyez, par exemple, je peux acheter 10,8 kilolitres par heure de capacité de traitement des eaux usées disponibles au prix de 1$. Bon, il me fait payer 1$. On peut les mettre gratuits, mais bon, 1$, c'est rien du tout. Comparativement à si je construisais carrément une usine de traitement. Voilà. Donc, en gros, ce qui me fait 10$. Il me fait payer 10$. Mais c'est rien du tout. Donc, voilà. J'achète à mon petit sac Solab qui est juste ici. Je lui envoie ma merde quoi, tout simplement. Voilà, donc du coup maintenant je vais essayer de sectionner visuel pour proposer des véhicules. Ah mince, ça par contre je peux pas le faire moi-même, faut qu'on soit plusieurs. Bon, par contre pour le service de santé je vais au moins me faire une petite clinique. Alors je repasse en vue normale, je vais au moins me construire une petite clinique. Alors vous inquiétez pas pour le traitement des eaux usées, ça met un petit peu de temps à s'actualiser, faut attendre un petit peu. Et notre petit Saxolab qui vient nous rendre visite, bien le bonjour, dis donc tu es en limousine, magnifique, magnifique, magnifique. Tu viens prendre un petit scot à la mairie avec le patron, avec moi quoi. Bon, alors, c'est vrai que là j'ai pas mal de malades.
Je vais faire une petite clinique ici. Ah, j'ai 11 morts par jour sur 3377 habitants. Oui, 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 c'est normal, oui, oui, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ok, donc du coup, là, faut que je fasse attention, faut pas plus que je fasse des routes droites. Donc, résultat, là, ceci est une route courbe. Attendez, j'avais réussi à faire un truc. Un truc comme ça, c'est joli. Alors je vais pas faire des quartiers trop étroits pour avoir quand même une densité future assez conséquente. Vous voyez, pour laisser la place au bâtiment de se développer plus tard. Du coup je vais rajouter encore de la zone commerciale. Parce que ils veulent bosser, et ben ils vont bosser, croyez-moi. Voilà. Ça c'est bien. On continue à développer petit à petit, petit à petit. Alors je pense que c'est... Ouais, vu le... Y a pas beaucoup de trafic ici. Bon, en même temps, j'ai pas énormément d'industrie. Je vous ai dit que je vais me focaliser sur l'aspect commercial du jeu. Je vais faire beaucoup de commerce. Et puis ensuite avec les DLC, mais on verra ça après. Je vais pas trop faire de l'industrie et je vais pas... En gros, je vais pas jouer avec l'import-export. Enfin, si, mais pas, pas au niveau industriel. Si vous voulez, je vais essayer de produire des... Ah mais non, ça je peux pas, c'est de l'industrie qu'il faut. Mince, j'ai amélioré un petit peu trop. C'est de l'industrie qu'il me faut. Flûte, bah non, finalement je vais pas vraiment me spécialiser. Ou peut-être dans le tourisme, j'avais dit, ouais voilà. Dans le commerce et le tourisme. Je pense qu'on va faire ça, et le jeu. Voilà, on va faire commerce et jeu, je pense. On va se faire ça, ouais. Ça c'est une bonne idée. Je viens d'avoir une maxi idée. Je sais, je sais. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Oui, j'améliore juste au moins une fois toutes les villes. Et il y a pas mal de passants là, dans les rues. Tac, d'ailleurs ça me fait penser, ce matin je suis allé voir, je me baladais sur le net avant de partir en cours. Et je suis allé voir, je sais pas, je regardais des articles sur SimCity. Et puis j'ai vu sur, enfin non, c'était une vidéo sur YouTube qui montrait comment passer du mode solo au mode multijoueur avec SimCity. Bon, ouais, c'est tout con, hein. Mais bon, moi j'ai remarqué ça, alors j'ai fait ah ouais, trop bien, écoute. Et donc j'y suis allé pour juste pour voir. Et j'ai lu un commentaire qui disait d'aller sur un site où il y avait pas mal de mods. Et justement, il y a des gens qui commençaient à développer quelques mods sur SimCity. Bah celui-là, 2013, on va l'appeler. Et il y avait des trucs qui avaient l'air sympas, franchement. Donc ce serait pas... Ce serait pas impossible que j'installe des mods. Je vous tiens au courant là-dessus. J'irai farfouiller un petit peu plus sur le site. Dénicher des petites perles. Bon, il n'y en a pas énormément, je vous le dis. Hein. C'est pas des mods. La plupart sont des textures pour les voitures. Ou les policiers, ou alors les bus. Enfin, les transports en commun, quoi. Voilà. J'ai pas non plus l'éclat total. Là, il y a pas mal de bâtiments de pitch, là, dis donc. Alors, spécialisation. Culture et jeu. On va faire jeu. On va se faire un petit casino. Le casino de la déchéance. D'ailleurs, il me faudrait une gare routière pour accueillir le flux constant de touristes. Alors, pour trouver une gare routière, dépôt de navette. Non, c'est pas ça. Oui, voilà, c'est un train. Un train. Alors, ça coûte combien? Gare de passage 40 000, j'ai 62 000 et ça me bouffe 375 $. Ouais. Bon, on va la foutre en plein milieu. Sauf qu'il me faut une route. Attendez, je vais juste faire un truc avant. Quoi? Wow. Ok, ça devrait le faire. Une route bien comme il faut. Yeah, j'ai pile la place. Hop, on va faire la gare ici. Donc j'ai plus un rond. Enfin si, ça va. Donc j'ai ma petite gare. Pour l'instant, je suppose que j'ai pas d'aménagement spécifique à faire au niveau des rails. Non, je pense que ça suffit. Et on va construire notre établissement de jeu, le petit casino. Le casino qu'on va faire pas très loin de la gare, hein. Histoire d'avoir... Bon, on va le faire à côté même carrément. Ah, flûte. Ah merde, c'est dégueulasse.
Ah, ça c'est... Non, ça c'est moche. Ah, ça c'est moche. Ça c'est très très moche par contre. Donc du coup... Ah merde, oh là là, ça fait un truc ignoble. Oh bah 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 bou 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 bou. Voilà, donc du coup ça fait un truc ignoble. On va essayer de faire un truc. Voilà, comme ça et une petite route. Voilà. Et il faut bien que la gare soit reliée au réseau routier, sinon ça n'a pas d'intérêt, effectivement. Bon, alors maintenant, on installe le petit casino. Le casino. Le casino. Qu'on va foutre ici. Pas cette Team Flouze. Ah merde, ça coûte combien cette daube? Ah d'accord, ça coûte 15 000. Bah, il nous faut attendre un tout petit peu. Et hop, voyez. Parfait, j'ai un établissement de jeu. Alors normalement, grâce à ce petit casino, je vais pouvoir faire du profit. Oh putain, toutes les bagnoles qui vont à la gare. On se calme, on se calme, on se calme. Attente moyenne aujourd'hui, ouais, ouais, en train d'attendre, ouais, 141, ouais. D'accord. Ok. On va voir si notre fermé pour processus d'embauche. Bah, il est en train d'embaucher le gonze. Il va embaucher niveau électricité. Oulala, ça se corse là. Qu'est-ce qui se passe? Santé. De nombreux Sims. Oh, 15 morts! Oh! Ça, c'est la dèche. Ah, mais d'accord! Ok, c'est parce que la clinique est pleine. Quand la clinique est pleine. Pleine? 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 Oh, pas cette Sims Flouze. Ah là là, c'est la dèche. Bon, il va falloir que j'attende un petit peu. On va attendre que notre casino se rentabilise. Tout simplement. Perd 520. Ah d'accord, non, en fait là pour l'instant je perds de l'argent. Impossible de trouver une place dans le train, le maire de construire une autre. Bah attends, tu m'as vu ou quoi? Oh. Bon alors, on va voir, ça commence à se remplir. Yeah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ouais, gagne 920 par jour. Super, il y a 150 touristes, richesse touriste. Ouais, bon, après va falloir améliorer, vous voyez. On aura la possibilité de l'améliorer. Vous voyez, on a plein de salles, et plus votre casino sera amélioré, plus le nombre de salles sera important, plus la diversité des salles sera importante, et plus des Sims aisés viendront dépenser leur argent, et ça veut dire plein de pépettes. Des pépettes. Ouh, plein de pépettes. Chambre bon marché. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de faire un... La possibilité de mettre des chambres, vous voyez, pour vos Sims aisés. On va mettre une machine à sous. Parce que nous on est des pimps, on va rajouter direct pour maximiser le profit. Oh bah tiens, gagne 2300. Ah non, ça c'est le, d'accord, non. Oui, c'est les deux. Et voilà, j'ai vite rentabilisé. Alors maintenant c'est les pompiers. C'est les pompiers qui merdent. Vu que là j'ai... Putain merde. Oh flûte. Flûte. J'ai besoin de thunes. S'il te plaît, me laisse pas. Oh j'ai 20 000. Oh putain. Ça daille. Bon, on va aller regarder cramer en attendant d'avoir le pognon. Hein. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ils étaient moisis leur maison. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Bois de Genome est une super ville. Dommage qu'il n'y ait pas d'aéroport. Bah oui, bien sûr. Attends, j'ai pas encore les... Ah oui, il y a des incendies un petit peu partout là. C'est pas grave, ça brûle bien. Tac. On va attendre que ça brûle. Ah, voilà. Voilà, il n'y a plus d'incendie. Vous voyez, il faut laisser brûler. Ça brûle bien, les maisons. Parce que là, j'ai pas vraiment les moyens, là. J'ai pas vraiment les moyens. Eh, je gagne plus que 2000. Ouais, ils se cassent tous. Ah, ouais, bien. Je fais du bénéf, hein. Je fais pas mal de bénéf. 6300 par jour, et vous voyez, ça va augmenter de plus en plus. Faites en sorte que prennent le train en une journée. Cool, ça, c'est bien. Alors. Allez, il me faut encore un petit peu d'argent, là. Allez, on y croit, il est 13h, ouais, 14h, je pourrais l'avoir. C'est bon. Voilà, foutre là. Voilà, j'ai une caserne de pompiers, pour l'instant, bâtiment, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Nous faisons de gros bénéfices. Bah voilà, en plus, je te... Des livraisons de marchandises seraient inutiles, ce qui nous rend mécontents. Des livraisons de marchandises seraient utiles. Attendez, des livraisons de marchandises seraient utiles. Ça veut dire qu'ils veulent vendre des marchandises, ou alors ils veulent acheter des marchandises. C'est-à-dire, en gros, ils veulent de l'industrie pour produire des marchandises. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Je sais pas vraiment.
Donc si ça vous savez, bah, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je sais pas s'ils veulent acheter ou vendre. Du coup, je pense pas que le... Non, le bureau commercial... Attends, c'est où? C'est où commerce? Commerce. C'est quoi ça? Port commercial Je vais peut-être en faire un... Mais du coup, j'importerai au lieu d'acheter. Voilà. Pour le coup, j'importerai au lieu d'acheter. Bon, ça me fera... Je vais attendre quand même de me développer un peu plus. Je vais commencer d'ailleurs, ça me fait penser... Parce que je l'ai pas fait, je vais commencer à augmenter un petit peu la valeur des terrains là. Et c'est vrai parce que là, franchement, y a pas beaucoup quoi. Voilà, caserne de pompiers, ça faut augmenter la valeur du terrain, oui. Oui, bien sûr. Voilà. On va mettre un petit parc naturel. Le petit parc naturel. Voilà. Petit parc. Parc dans le coin et puis la petite place de Richousse. Petite place de Richousse qu'on va mettre là. Voilà. Donc déjà ça va faire venir des Sims plus riches. Vous voyez déjà les maisons commencent à se construire. De nouvelles maisons. Qu'est-ce que tu veux Jean-Guy? Je crois qu'il est temps de troquer notre cabane de pompiers contre quelque chose de plus impressionnant. Ouais non. T'es drôle, j'ai pas les moyens mais. Et j'ai pas du tout les moyens pour l'instant. Bon. On va continuer à se développer parce que là, c'est vrai qu'on stagne. On va faire un truc comme ça. Comme ça, ça va de tous les côtés. Ah là, je fais des trucs. Là, je fais des trucs beaux, là. Là, je suis inspiré, là. Là, on est d'accord, c'est pas droit, hein. Là, celui qui me dit que c'est droit, non, je suis pas d'accord, hein. Là, je veux dire, je suis pas d'accord, hein. Non, ça va créer des embouteillages inutilement. Cette zone-là, on va la laisser comme ça pour accueillir la masse de buildings. De buildings. Et là, on va mettre encore des... Super. Donc, ça se développe tranquillou. Le jour se lève sur Bois de Géronimo. D'ailleurs, si vous avez une idée de nom, hein, ça serait bienvenu parce que là... Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Oula. C'est cool. Les grands bâtiments, c'est bien. Construisez le siège casino. Ah, génial. Le siège casino. What's that? Le siège casino. Le siège casino. Siège casino. C'est quoi le casino? Ouh, il y a l'air d'avoir des trucs vraiment, vraiment cool. Alors, le siège casino. C'est où le siège casino? Je pense que c'est là, hein. C'est ça le siège casino. Oh putain, j'ai du mal à le prononcer. Le siège casino. Donc, il me faut. Il faut que je gagne 52 000 Sims Plus en une journée grâce au jeu. Pour l'instant, j'ai fait 25 000. Ah ouais, bien, là, je fais du profit. Je vais rajouter une nouvelle salle parce que ça a l'air de bien marcher. En plus, j'ai assez. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va se rajouter? Une petite table de blackjack. Et on va laisser... Chambre bon marché. On va mettre des chambres bon marché. Et on va mettre... Des chambres agréables, voilà. Et on va mettre ça. Ok, non, désolé pour ce petit silence, je regardais juste les statues, donc ça permet d'attirer encore plus de touristes. Donc là, j'ai fait des investissements qui s'avéreront très utiles plus tard. Parce que là, vous voyez, j'ai mis des chambres. Agréable pour attirer les Sims plutôt aisés. Et j'ai rajouté une table de blackjack. Donc normalement si ça fait pas d'effet. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh les poubelles. Oh les poubelles. Oh j'avais oublié les poubelles. Ah putain, là va falloir vraiment qu'on joue en multijoueur. Parce que là vous allez devoir me filer du... Un petit coup de main là, c'est où les poubelles? Poubelle. Ah flûte. Flûte, y'a pas un... Non je peux pas, c'est dommage qu'on puisse pas les importer sans qu'il y ait l'autre. Sans qu'il y ait l'autre joueur, je voulais dire. Bon, du coup, je vais devoir financer mes traitements de déchets aussi. Hein. Du coup, je vais faire une décharge. Hein. Du coup, la petite décharge est direct. Je perds pas de temps. Oh putain, 25 000. 25 000. Ouais. Bon, pour l'instant, je vais pas le construire, ça coûte trop cher. J'aimerais bien faire un four pour pouvoir brûler. Bon, ça pollue, hein. Ça pollue. Mais bon,
Ici, fuck la pollution. Alors, pour le coup, ici, on va mettre de la place. De la petite place. Et on va mettre petit parc. Petit parc. Côté de la petite... Voilà, juste en face. Et là, comme ça, on a une belle valeur de terrain. Très belle valeur de terrain. Donc, qu'est-ce qui manque? Train sans électricité. Ah, flûte. Flûte! Ça, par contre, c'est pas bon. J'ai pas assez d'électricité. Il faut que je produise. Allez, Michou, voilà. Deux éoliennes, ça devrait faire la fin. Voilà, je suis en excédent. L'électricité va revenir, ça va prendre un tout petit moment. Je suis désolé pour cette coupure intempestive. Oh putain, ils ont fermé le casino. Ça, c'est des bénéfs en moins, quoi. C'est le business qui tourne moins. Du coup, est-ce que je peux construire le siège casino? Siège casino. Non, je peux pas encore le construire, le siège casino. Bon, bah on va continuer à s'étendre, hein. Dépenser pour gagner plus, telle est la devise. Que je viens d'inventer, bien sûr. Rassurez-vous. Hop, on va se développer par ici. Voilà. Et on va mettre encore... On va mettre du... On va encore mettre des habitants, hein. Je pense qu'une petite école ne serait pas de trop. Qu'en pensez-vous? 16 000, on va mettre une petite école primaire. Bah oui, la petite école primaire. Petite école primaire juste là. Voilà. Comme ça, on aura un peu plus d'éducation. Hop. Résultat, on fait les trajets de bus. Voilà, c'est nickel. On va en rajouter quelques-uns. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai ma petite école, histoire d'augmenter un tout petit peu plus le niveau d'éducation. Qu'est-ce qui est construisé? Une archéologie. L'archéologie. D'accord, archéologie. C'est quoi ça? Fournissez. Okay. Fournissez le site en métal, alliage et téléviseur. Archéologie. Construisez l'archéologie. Ah ouais, non, en fait, je sais pas ça. Attends, je crois qu'il me demande de construire sur un site de chantier là. Vous savez, les super méga structures. Je pense pas, hein. Pas tout de suite, Jean-Guy. Alors, je gagne 20 000. Ah, j'arrive pas à augmenter, hein. J'ai dépensé tout mon argent, mais je me suis éclaté. Ah, je suis à la dèche, mais je suis heureux. Bah, c'est le principal. Écoutez, c'est le principal, limite atteinte. Pourquoi j'ai. Ah, c'est limite atteinte déjà. Niveau touriste. Ah dommage. J'aurais pu mettre des trucs un peu plus touristes actuels. 4 touristes potentiels par heure. Profit aujourd'hui 21 000. Ah c'est bien ça. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Bah en attendant ouais. Il faut ouais 29 000. Bon il faut que j'attende un petit peu avant de faire le siège bête. Qu'est-ce que tu veux encore toi? Les rues ne sont pas sûres. Ah ouais, d'accord. Bon, je vais encore devoir installer un service de police. Police, c'est où? C'est où la police? The police, please. Le service de... Oh, j'ai pas assez de... 30 000. Ouf, j'ai eu peur. Du coup, on va la mettre là, la police. Tac. Bon, voilà. C'est vrai que 8 crimes commis par jour, c'est un petit peu assez élevé. Oh là là. La fréquentation, mais il ne faudrait pas que les élèves et les étudiants se mettent à faire l'école buissonnière. Pourriez-vous est-ce que les étudiants aillent en classe? D'accord, il faut que j'ai 60 élèves. 60 Sims qui aillent en cours en une journée. Bon, ça je pense pas que ce soit trop compliqué. J'ai 5000 habitants. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire tranquillou. Ça devrait le faire tranquillou. Faut que je continue à développer là. Là je suis trop lent là. Ah, je suis trop lent. Allez, on développe. Ça, c'était moche et pas du tout approprié. Voilà. On va faire une autre route. Du coup, ouais. Voilà. Bah, ça, je pense que c'est bon. Voilà.
Voilà, il nous faudrait encore un petit peu de commerce. Ici, on va faire une zone entièrement commerciale. Et on va continuer à aménager de ce côté. La 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 la, j'adore aménager. Ici, on va faire un beau virage. Regardez-moi ce virage. Bon, je perds de la place. Je suis au courant. Mais bon, c'est joli. Et puis, je relève le défi. Hein. Voilà, ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça. Non, c'est pas droit. C'est arrondi, hein, on est d'accord. Il faut encore... Et on va mettre du commerce. Voilà. Bon, maintenant, faut attendre que ça se développe. On regarde. Et on touchera bientôt au DLC, je pense. Très bientôt, vous voyez, on a de plus en plus de commerce qui se développe. 31 000 wow, lol. 31 000, ah, c'est vraiment très très lucratif. Un casino. Si vous voulez vous spécialiser dans le jeu, n'hésitez pas, ça rapporte. Hein, et beaucoup en plus. Alors, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil sur les différentes informations. Recettes et dépenses. Donc en gros, ça me rapporte 2000 par heure environ. On a plus de touristes pas très riches, quoi, pauvres. Enfin, pas pauvres, mais pas très aisés. Mais on en a... Mais on en a quand même... Ouais, non, on en a pas énormément. Bon, ah, ça s'équilibre. Si, ça s'équilibre. Pensionnaire, bon, on a 90 chambres. Et puis, bon, ça se remplit bien aussi. Et la gare tourne à plein régime, je suppose. 14 minutes d'attente, ça va. Passagers par jour, 2000, voilà, quoi. Hein, ça va, hein. Mais 31 000 par jour, je suis choqué. Ça veut dire que dans peu de temps, j'aurai la possibilité de construire mon siège casino. Très bientôt, ouais. Les néons, les paillettes, le glamour. Encaissez les Sims Flues grâce à vos casinos. Mais attention à la criminalité. Utilisez les recettes générées pour débloquer des améliorations telles que des divertissements, des hôtels ou des jeux. Ah ouais, ça je vais me faire plaisir. Ça je vais me faire très plaisir. Donc est-ce que j'ai... Ouais, bah justement, au moment où je me demandais, où je me posais cette question, est-ce que nous avons réussi le défi école? Eh bien apparemment oui. Attendez, je pense à un truc. Qu'est-ce qui se passe? Éducation. Ah, il va encore me... Ah ouais, il n'y a plus de place. Ah, j'avais oublié de mettre le petit drapeau avec la petite pomme. On va mettre un deuxième camion. Et on va rajouter une classe. On va rajouter... Voilà, deux classes. Ça m'a coûté la peau du cul. Mais bon, voilà. J'ai la possibilité d'enseigner à 752 Sims. Vous vous rendez compte? C'est pas rien. Allez, hop. On va rajouter plein de maisons ici. Tant qu'ils peuvent construire, hein, autant qu'ils construisent. Je vais juste rajouter plein de petits parcs classiques. Bon, on va se mettre un truc de richousse. De la mort qui tue. Naturel, on va foutre ça là, voilà. Là, il y a du riche, là. Là, il y a du riche. Ça sent le riche, là. Ouh, putain, ça sent les belles baraques. Ouh là 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 là. Ouh, putain. Ouh, la baraque. Ouh, elles m'ont l'air sympas. D'ailleurs ici, comment ça s'est amélioré ce quartier là? Ah non, mais c'est pas ça que je voulais, moi. Ouais, bon... Ouais. Santé, qu'est-ce qui va pas? Donc, résultat, toi t'es en train de me dire que bah, y a pas du tout assez de patients. Donc du coup, ce qu'il faut faire... Je vais dire des maisons pour ça, hein. Non mais sérieusement, hein. Du coup, capacité de traitement 40. C'est bon, là j'ai de quoi temporiser un petit peu. Pour la police, qu'est-ce qu'il y a? Oh, 9 crimes commis par jour. Ah, c'est vrai que les casinos, ça attire le grand banditisme. Hein. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va rajouter des voitures. Hein. On va pas se faire chier. On va juste mettre le petit drapeau. Le drapeau et des bagnoles. Ah, ça coûte vraiment cher par contre. Hein. Je pense que c'est bon. Hein. Voilà. Plus de patrouilles, ça devrait faire l'affaire. Ouais, mes cellules sont bientôt remplies. Ouais, faudra qu'on se retrouve en multijoueur pour s'échanger des services là parce que ça va être un peu chaud. Donc les baraques, elles sont où là? Ah non, c'était pas des baraques, c'était des commerces fermés pour manque de main d'œuvre. Ouais, pas mal. Le chien-chien, sa maman. Ouh, joli comme nom. Haut de gamme, d'accord. Le truc marqué en gros, haut de gamme. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Je me sens très bien à bois de Geronimo. Il y a tellement de nouvelles têtes à rencontrer. Je parlais avec des amis et nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il nous fallait un lieu de culte. Ah oui, ils veulent tous un lieu de culte. Donc lieu de culte, je suppose que c'est dans spécialisation culture. Je l'avais fait avec Yanemu. Je me rappelle, mais alors pour le coup, je sais plus où c'est. Culte, bah voilà, c'est là. Et on va faire une petite église. Ouh, on peut faire des trucs... lieu de culte, temple moderne. À la gloire du prisme. Ta-da-da-da. On va mettre une petite église...
ici là. Yeah, c'est bien ça. Regardez-moi cette vague d'heureux. C'est cool. Le problème c'est que ça me coûte plus que ça me rapporte. Les églises, ça rapporte pas. Hi hi hi. Est-ce que je peux le faire? Non, toujours pas. Ah, flûte. Je suis pas dépassé, je suis à 31 000 encore. Non, il faut que j'attende un jour. Bah écoutez, on va attendre la fin de ce jour-là et puis on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus parce que c'est déjà l'heure, effectivement. Bah voyez, on a déjà une ville assez sympa. Donc qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux faire un feu d'artifice. Et en plus, t'es caché. Oui, voilà, j'en étais sûr, ouais. Ça, par contre, j'accepte parce que ça va me rapporter un max de blé. Alors... Par contre, t'es gentil. Voilà, je rajoute un... Et ça pour améliorer l'efficacité. La cloche, elle sert à améliorer l'efficacité, hein. Ceux qui se demandaient, ça ne sert pas à rien. Donc, ça brûle déjà. Oh bah en plus, bah putain, c'est la maison à côté de la caserne qui brûle, tu sais, le truc logique. Ça c'est tout à fait logique. Bon, j'espère que ayez moins de 5 incendies. Ok, pour l'instant ça va. Ok, ça va. C'est nickel. 35 000 par jour, oh yeah. Du coup, j'ai pas encore... non, j'ai pas encore terminé. Bah écoute, on va se laisser là. On va se laisser maintenant. Donc, je vais mettre le temps. Voilà. Avec ce beau feu d'artifice. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de SimCity. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Portez-vous bien.